Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les faits marquants. Des nouveaux accords établis entre la République de Djibouti et l'Inde ont été paraffés et ce dans le cadre d'une visite officielle du président indien. Et en Espagne, la tension entre le gouvernement de Madrid et les dirigeants de la province de Catalogne reste perceptible. Le roi d'Espagne, Philippe VI, s'est intervenu hier dans un message adressé à la nation. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République d'Inde, Ram Nath Kovind, a entamé une visite officielle de 48 heures en République de Djibouti, cette visite étant la première du genre. C'est hier après-midi donc qu'il est arrivé dans la capitale en compagnie de son épouse et d'une forte délégation, comprenant notamment le vice-ministre indien des Affaires étrangères, Nishwok Mulay. Le président Ram Nath Kovind a entrepris cette visite à l'invitation de son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Les deux hommes ont d'ailleurs eu aujourd'hui une série de rencontres qui se sont déroulées au palais présidentiel. Le tapis rouge a été donc déroulé pour la circonstance dès l'arrivée au palais du président Ram Nath Kovind. Et au perron du palais, M. Ram Nath Kovind a été chaleureusement accueilli par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh après une poignée de main ferme et fraternelle. Les deux chefs d'État ont répondu aux sollicitations des photographes et les caméramans. Puis les hymnes nationaux des deux pays ont été exécutés par la fanfare nationale. Ce fut l'hymne national de la République d'Inde qui a été entonné en premier. Il a été suivi par l'hymne national du pays hôte, c'est-à-dire Djibouti. Deux hommes ont ensuite procédé à la revue des troupes qui ont reçu les honneurs militaires. Le chef de l'État djiboutien a pour l'occasion présenté à son homologue indien les membres du gouvernement djiboutien venus participer à la réception officielle du président indien et prendre part aux travaux. Aussitôt les honneurs militaires rendus, les deux chefs d'État se sont dirigés vers le salon d'honneur du palais de la République pour être à l'abri de la presse. Thank you.
Et après une brève rencontre en tête-à-tête, les deux présidents ont ensuite co-présidé une réunion élargie. Les discussions ont essentiellement porté sur les différents domaines de coopération et les échanges économiques. Djibouti a toujours maintenu des relations étroites avec l'Inde et la présence d'une forte communauté de ressortissants indiens sur le sol national l'atteste. De nombreux accords existent entre les deux pays et doivent être renforcés. L'Inde appuie le développement économique de Djibouti et offre de nombreuses bourses à nos étudiants qui sont répartis dans de nombreuses universités des grandes villes indiennes. L'Inde est une puissance économique émergente. Elle est surtout connue par sa force démographique qui suit celle de la population de la Chine populaire et risque même donc de la dépasser au cours des prochaines années. Tout autant que d'autres puissances, l'Inde s'intéresse à Djibouti du fait de sa position géostratégique, le pays étant situé à l'entrée de la mer Rouge et constitue en outre une porte ouverte vers les pays de la Corne de l'Afrique. L'Inde exporte de très nombreux produits à Djibouti qui de son côté s'intéresse à l'expertise des sociétés industrielles indiennes. L'Inde s'est illustrée dans plusieurs secteurs comme les technologies de l'information et la communication, la biotechnologie, la médecine, l'industrie agroalimentaire, l'industrie lourde et la défense. L'Inde donc est également une puissance nucléaire. Et à l'issue de la réunion, les deux parties ont confirmé leur volonté de renforcer et de diversifier leur coopération dans tous les secteurs. Cette réunion a vu la participation aux côtés du chef de l'État Ismaïl Omar du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mohamed Ali Youssouf, le ministre de l'économie et des finances Idriss Moussa Diwale et du côté de l'Inde, le vice-ministre des Affaires étrangères Nyashwok Moulay y a pris part. Les nouveaux accords établis entre les deux pays ont été paraffés par M. Mohamed Ali Youssouf et Nyashwok Moulay. Et juste après donc ces signatures d'accord, le vice-ministre indien des Affaires étrangères a indiqué dans une réaction faite à la presse que cette visite est très importante et significative à plus d'un titre, à ses yeux et pour son pays, l'Inde. Notre honorable président, pour lui, c'était la toute première visite officielle à l'étranger et c'est aussi la toute première visite officielle d'un chef d'État indien. Le président indien Ram Nath Kovind a été élu en juillet 2017 à la tête de l'Inde. Les discussions tenues aujourd'hui entre Ram Nath Kovind et le président Gele ont été très cordiales, très amicales et très productives, a-t-il indiqué. Les questions bilatérales régionales ont été discutées. Le soutien de l'Inde a été très apprécié en termes de programmes d'internat et d'aide au développement. Nous avons également des demandes spécifiques, a-t-il ajouté, en particulier dans les secteurs solaires et une énergie renouvelable. Un renforcement de la coopération dans le secteur des petites entreprises. En outre, il existe une demande de soutien dans l'expertise de l'Inde dans la lutte contre le terrorisme qui est une sorte de menace mondiale et a été reconnue comme telle par les deux parties. Notre président a apprécié l'aide apportée aux Indiens qui ont fui les zones de guerre du Yémen. Et pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssef, a souligné que l'Inde a de nombreuses ambitions politiques et économiques. C'était juste après la signature des nouveaux accords intervenus entre les deux pays. Je propose de l'écouter. D'abord, il faut savoir que c'est une rencontre très importante du président indien qui est venu à la tête d'une très forte délégation. C'est sa première visite à Djibouti après avoir été élu président de l'Inde. Vous savez que l'Inde, c'est l'un des plus grands pays au monde en termes de population. C'est un pays également qui compte beaucoup dans la Corne de l'Afrique. C'est un pays qui a une tradition déjà avec cette partie du monde. Et cette tradition est aujourd'hui confortée par une implication politique et une implication économique dans les pays de la région. Je crois que l'Inde est en train de développer des industries un peu partout dans cette région. Djibouti est intéressé par une coopération en matière technique, technologique et industrielle. La visite du président indien à Djibouti va certainement ouvrir des perspectives nouvelles pour la République de Djibouti. Et nous allons également travailler à ce que Djibouti et l'Inde puissent être représentés, une sorte de tête de pont dans les relations qui unissent ce grand pays avec ceux de la Corne de l'Afrique. Tout l'intérêt de la position géostratégique de notre pays se clarifie et à travers cette visite prend toujours un peu plus d'importance chaque année. Nous souhaitons réellement que cette visite puisse marquer l'ouverture d'une page nouvelle, d'un chapitre nouveau dans les relations bilatérales entre l'Inde et la République de Djibouti.
Et à l'issue de cette visite officielle de 48 heures du président indien, un communiqué conjoint a été publié cet après-midi. Ali Abdelhaye, bonsoir. Bonsoir Asma. Qu'est-ce qu'on peut donc retenir de ce communiqué conjoint? Eh bien donc, au cours de l'entretien officiel, les deux parties ont reconnu l'excellence des relations bilatérales établies de longue date entre l'Inde et Djibouti. Ils ont réaffirmé le désir mutuel d'approfondir la coopération économique, commerciale, technique, éducative, scientifique et culturelle entre les deux pays. Les deux dirigeants ont reconnu à Asma également le rôle de Djibouti et son importance stratégique ainsi que le rôle de l'Inde dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique. Ils ont souligné la nécessité pour Djibouti et l'Inde de se consulter sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux dirigeants sont d'avis que le terrorisme constitue une menace accrue pour l'humanité, la paix et la stabilité mondiale. Ils ont exprimé leur volonté de se joindre à la communauté internationale pour éradiquer la menace du terrorisme dans la société et pour que la paix et la tranquillité prévalent dans le monde. Ils ont convenu de la nécessité de prendre des mesures fortes, strictes, contre les terroristes, les organisations terroristes et leurs réseaux. Les deux dirigeants ont appelé à la nécessité urgente d'une réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, y compris son élargissement, afin de rendre plus représentatif, responsable, efficace et adapté aux réalités géopolitiques du 21e siècle. Les deux pays ont convenu de travailler étroitement pour intensifier leur coopération aux Nations Unies et dans les autres instances multilatérales afin de relever le défi mondial actuel tel que le changement climatique et le renforcement de la paix et la sécurité internationale et régionale ainsi que le développement durable. Les deux dirigeants ont souligné à Asma la nécessité de tenir des consultations donc régulières sur les questions bilatérales afin donc de diversifier davantage leur coopération et se sont félicités de la signature lors de la visite du protocole d'accord sur les consultations bilatérales entre les ministères des Affaires étrangères de l'Inde et de Djibouti. Soulignons donc le potentiel d'approfondissement des relations économiques. Le gouvernement djiboutien a appelé l'Inde à donc jouer un rôle important dans le développement économique de Djibouti avec une attention particulière accordée aux petites et moyennes entreprises. Djibouti a également exprimé son souhait, son appréciation concernant les lignes de crédit, subventions accordées par l'Inde à cette fin, appréciant donc les bourses des études et les programmes de formation offerts par l'Inde dans le cadre de l'ITEC, de l'IAFS, de l'ISCCR, etc. Le gouvernement djiboutien donc a appelé à renforcer et à diversifier davantage tous ces programmes. Les deux dirigeants donc se sont félicités également du lancement de l'Alliance internationale de l'énergie solaire, l'ISA, en tant que plateforme commune des coopérations entre les deux pays et les pays riches en ressources solaires. Ils ont exprimé également leur engagement à travailler étroitement pour approfondir la coopération bilatérale et régionale dans ce domaine. Le gouvernement djiboutien s'est également félicité de la contribution de la communauté indienne présente à Djibouti en faveur du développement économique de la République de Djibouti et la promotion des relations bilatérales. Ils ont souligné la nécessité donc de promouvoir des échanges culturels plus importants. Les deux parties ont encouragé les échanges réguliers, des visites au niveau ministériel afin d'intensifier davantage les relations bilatérales entre les deux pays. Enfin, le président indien Ram Nath Kovind a remercié le chef de l'État djiboutien Ismaël Marghélé pour l'hospitalité chaleureuse qui a été accordée à lui et à sa délégation pendant son séjour à Djibouti. Il a donc invité son homologue djiboutien, en l'occurrence Ismaël Marghélé, à effectuer donc une visite en Inde. Merci Ali Abdelhaye pour ces précisions s'agissant du communiqué conjoint. Alors vous restez avec nous sur ce plateau et sans transition, toujours dans le cadre de cette visite officielle du président indien, la première dame d'Inde a effectué ce matin une visite à l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, où elle a été accueillie par la première dame djiboutienne, Madame Khadra Mohamed Haïd. À son arrivée, elle a été accueillie par la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes.
L'événement a vu la participation de plusieurs responsables, dont la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Moumina Hamad Hassan, la secrétaire générale de l'UNFD et plusieurs parlementaires femmes. Et ensuite, la première dame d'Inde s'est dirigée vers la salle de réception où s'est tenue une brève présentation du rôle de cette institution dans la société djiboutienne. Leur combat au quotidien pour le droit des femmes et jeunes filles, l'implication de cette institution dans le processus de développement du pays. Cette visite de la première dame d'Inde s'est poursuivie dans les ateliers de couture où des dizaines de jeunes filles acquièrent un savoir-faire qui leur donne la chance d'avoir un avenir meilleur. La cellule d'écoute et d'orientation pour lutter contre la violence conjugale était également visitée par la première dame de l'Inde et toujours en compagnie de la première dame djiboutienne. À l'issue de la visite, la première dame, Madame Savita Kovind, a octroyé un don destiné aux enfants de la pouponnière d'Ariel. Et on revient avec vous, Ali Abdoulaye, sur cette visite à l'UNFD de la première dame d'Inde. Pourquoi donc ce choix à l'UNFD? Eh bien donc Asma, ce choix du siège de l'UNFD n'est pas anodin. Ce siège de l'UNFD est rempli d'histoires mais également des mémoires. Avant donc de répondre à cette question, quel est le choix du siège de l'UNFD, permettez-moi donc de vous éclaircir sur des détails comme le statut de la première dame de Djibouti. Elle est également donc présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, une organisation non gouvernementale à but non lucratif, la pionnière des structure donc associative djiboutienne créée le 30 avril 1977 à la veille de l'indépendance nationale par le mouvement féminin indépendantiste. Eh bien, le combat de la femme djiboutienne commence contre la colonisation. Tout comme leur père, leur mari ou leur frère, les djiboutiennes n'ont pas démérité dans cette lutte par leur courage et par leur sens du sacrifice. Nombre d'entre elles ont laissé une trace donc héroïque et c'est tout logiquement qu'au lendemain de l'accession du pays à l'indépendance en 1977, ces femmes pionnières décident de se regrouper en association pour participer donc aux efforts d'édification de la jeune nation. Elles font donc l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, qui dans les années 80 se préoccupe de l'alphabétisation et de l'éducation des femmes préalables nécessaires à leur émancipation. Donc il est dirigé par donc la défunte première dame, rahimahullah, Aisha Borre, et du père de la nation, Al-Hajj Hassan Gouled. L'association devient rapidement Asma populaire, notamment grâce à l'ouverture d'un centre d'orphelinat dans la capitale. Dans les années qui suivent, on le sait, malgré les difficultés et les obstacles de toute nature, l'UNFD développe sa présence sur l'ensemble du territoire et participe à l'émergence de la société civile. Dans les années 2000, l'arrivée donc à sa tête d'une nouvelle présidente, l'actuelle première dame, Mme Khadra Mahmoud Haidt, propulse l'association et ses actions sur la scène du développement. L'UNFD trouve donc un allié objectif et déterminé en la personne du président de la République, Ismaël Marguelé, pour donc basculer dans cette nouvelle ère. Et bien donc en 2002, l'UNFD participe aux côtés d'autres partenaires à l'élaboration de la stratégie nationale d'insertion de la femme dans le développement national. Cette stratégie donc sert de matrice à tous les projets et à toutes les activités dont donc l'objectif est de faire progresser le statut politique, social et économique des femmes du pays. Elle se décline de plusieurs donc phases et progressivement travaille à une évolution des mentalités avec donc la remise en cause des préjugés. Grâce à cette nouvelle donne et à un amendement constitutionnel qui oblige les partis politiques
a présenté les femmes en position éligible pour les législatives de 2003. Des personnalités influentes de l'UNFD intègrent l'Assemblée nationale pour la première fois. L'UNFD, Asma, grosso modo, donc, participe également à l'élaboration du nouveau code de la famille qui renforce le statut juridique. Et bien donc, j'en ajoute, l'Inde, une puissance émergente aujourd'hui, donc un pays industrialisé, on le sait, très avancé dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, où les géants américains Microsoft donc, recrutent les jeunes ingénieurs de deuxième démographie après la Chine, ils seront prochainement donc en termes de démographie dépasser la Chine. Et bien donc c'est ce pays qui est l'Inde et qui est tellement grand, il est en reste donc sur des questions banales comme le droit de la femme dans le développement donc du sociopolitique, dans la famille, la place donc de la femme n'y est pas dans ce pays. Et donc donc Savita Kovind, la première dame de l'Inde, donc c'est retrouver devant donc ce modèle de réussite de la femme djiboutienne, donc, et que le mérite revient à la première dame en l'occurrence, et madame Khadra Mahmoud Haïd, qui donc pourra donc lui éclaircir et donner des conseils sur la place de la femme dans la société. Merci Ali Abdelhaïd pour toutes ces précisions. Dans le reste donc de l'actualité, le président de la République d'Inde, Ramnath Kovind, et sa délégation ont été les invités du président Guélé pour partager un grand déjeuner. Et après la signature de la convention, le couple présidentiel, monsieur donc Ismaël Omar Guélé et son épouse, madame Khadra Mahmoud Haïd, ont chacun offert à leurs homologues un déjeuner au président indien, Ramnath Kovind, et son épouse, Savita Kovind. Ont été conviés également à ce déjeuner la délégation indienne ainsi que les membres du gouvernement djiboutien. Ce déjeuner s'est déroulé dans une atmosphère de bienséance. Il symbolise surtout les prémices d'une longue et durable relation entre les deux pays, en l'occurrence la République de Djibouti et la République de l'Inde. Et après cette série de rencontres qui se sont déroulées au palais présidentiel, des nouveaux accords ont été établis entre les deux pays et ont été paraffés ce mercredi. Le président indien, Ramnath Kovind, accompagné de son épouse et une importante délégation, a quitté en fin d'après-midi la capitale. Rappelons que l'Inde est une des premières puissances industrielles au monde. Le pays exporte de très nombreux produits à Djibouti, qui de son côté s'intéresse à l'expertise des sociétés industrielles indiennes. L'hôte a eu donc un dernier entretien en tête-à-tête avec le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui lui a salué le président indien à l'aéroport. L'Inde s'est illustrée dans plusieurs secteurs comme les technologies de l'information et la communication, la biotechnologie, la médecine, l'industrie agroalimentaire, l'industrie lourde et la défense. L'Inde est également une puissance nucléaire. Donc le couple présidentiel indien qui prenne la direction d'Addis Abeba. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mehki, a reçu une délégation d'investisseurs turcs conduite par le président du Global Bridge, M. Volkan Kazova, et de la représentante du Conseil pour les relations économiques étrangères, Mme Esra Sevari. Au cours de leurs entrevues, le ministre et les membres de la délégation turque ont discuté des voies et moyens de soutenir le développement des infrastructures hospitalières à Djibouti. A noter également la présence de M. Sidar Gunes, représentant du groupe Medical Park, regroupant une vingtaine d'hôpitaux de grand standing en Turquie et dans le monde, qui a soumis au ministre de la Santé la volonté du groupe d'investir en République de Djibouti.
En effet, M. Gunès a exprimé l'ambition de son groupe Medical Park d'investir très prochainement à Djibouti dans la création d'un nouvel hôpital privé qui, selon lui, leur permettra de se positionner en leader du marché incluant l'Afrique de l'Est, la péninsule arabique et l'Asie. Le ministre de la Santé a rassuré pour sa part ses interlocuteurs du soutien de son ministère et du gouvernement djiboutien dans la facilitation lors de l'installation du groupe à Djibouti, notamment dans toutes les étapes de la réalisation de cet important projet de développement d'infrastructures hospitalières. Et enfin, le ministre de la Santé a indiqué que la République de Djibouti est disposée à faire bénéficier le groupe de tous ses avantages comparatifs afin de garantir le succès de leur projet. Autre nouvelle, l'atelier de formation sur la création et la gestion des activités génératrices de revenus organisé par le programme d'appui à la réduction de la vulnérabilité dans les zones de pêche côtière s'est clôturé aujourd'hui au Palais du Peuple. Objectif, initier les femmes au processus de mise en œuvre d'une activité génératrice de revenus à l'échelle d'un micro-projet. Former donc les femmes à l'adoption d'une démarche entrepreneuriale et enfin promouvoir chez les femmes l'esprit de l'entrepreneuriat collectif et de créativité. Qui avait pour but d'identifier de manière participative avec les organisations professionnelles impliquées dans la pêche et avec les différents acteurs concernés les principaux types et niveaux d'action à entreprendre pour rendre les interventions du programme efficaces. Le présent atelier concerne la formation à la création et la gestion des activités génératrices de revenus au profit des organisations et des associations de femmes impliquées dans la pêche afin de permettre une augmentation du revenu et d'améliorer les conditions de vie et de travail des bénéficiaires de notre programme. Et cette remise d'attestation pour des agents de la sécurité, l'Agence générale de sécurité AGS et la Fédération djiboutienne de Taekwondo ont collaboré ensemble pour former des agents et leur apprendre les techniques de self-défense. Ainsi, 15 personnes ont bénéficié de cette formation qui a duré 15 jours. Le président de la Société générale de sécurité, Hussein Mohamed Rabelais, et le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports ont également donc pris part à cette formation. À la fin de ce stage de formation, des attestations ont été remises aux agents formés. Écoutez le PDG de la société de gardiennage, M. Hussein Mahmoud. C'est une cérémonie de remise, certificat de formation du self-défense. Tout d'abord, je remercie le secrétaire général d'être là aujourd'hui pour témoigner de leur engagement aussi pour tous les efforts que déploient les sociétés pour la formation dans des disciplines variées de leur personnel. Remercie aussi M. Bardon, qui est le président de la Fédération djiboutienne de Taekwondo. Remercie aussi le personnel de AGS d'avoir été aux côtés de leurs employés, de leurs collègues, des formateurs, pour leur aussi témoigner de l'intérêt d'une formation continue dans des disciplines variées. Aujourd'hui, c'est le taekwondo, c'est la défense, demain, ce sera une autre discipline. Donc, je vous dis bravo et continuez dans cet élan. Et pour clore l'actualité nationale avec cette information concernant les gendarmes stationnés au poste du Lac Assal qui ont encore une fois mené dans la nuit d'hier une opération de ratissage dans les secteurs de Marmarisseau et Mia avoisinant la banquise de Sel. Au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 134 immigrés clandestins dont 26 femmes d'origine éthiopienne désirant toutes se rendre dans les pays du Golfe. Ces migrants ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture par la gendarmerie nationale. Ils ont été reconduits par la suite aujourd'hui à la frontière de Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie.
Passons à présent à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. À Madagascar, l'épidémie de peste a été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Bonsoir. Bonsoir Asma. Effectivement, donc, comme vous le dites, l'OMS a évoqué le risque d'extension de l'épidémie de la peste au niveau national, donc à Madagascar. Selon l'OMS, la peste est endémique dans le pays, mais cette année, le risque de transmission interhumaine est particulièrement élevé en de nombreux 24 morts. Le risque de propagation est tellement élevé au niveau national, modéré au niveau régional et donc moins élevé au niveau international, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'OMS. La peste est endémique dans le pays qui enregistre habituellement chaque année environ 400 cas. Elle apparaît généralement en septembre à avril, mais contrairement aux précédentes épidémies, celle-ci touche des zones urbaines, y compris la capitale et les villes portières, et qui augmente le risque de transmission interhumaine, a expliqué le porte-parole de l'OMS. Et en Espagne, Fardous, la tension entre le gouvernement de Madrid et les dirigeants de la province de Catalogne est toujours, donc, reste toujours perceptible. Et on fait le point avec vous sur cette déclaration, ce message adressé à la nation du roi d'Espagne, Philippe VI. Il est apparu ferme et accuse les dirigeants indépendantistes de menacer la stabilité de l'Espagne. Effectivement, donc, Asma, le roi d'Espagne a annoncé donc que l'État rétablirait l'ordre constitutionnel en Catalogne, d'où des centaines de milliers de personnes continue de manifester contre les violences policières apparues donc des policières lors du référendum, le preuve de force entre le gouvernement central et les dirigeants catalans qui menacent de déclarer l'indépendance a plongé l'Espagne dans sa crise la plus grave depuis le retour de la démocratie en 1977. Dans une charge aussi rare que cinglante, Philippe VI a accusé les dirigeants de Catalans de s'être placés en marge du droit de la démocratie en organisant le référendum de dimanche. Donc, lors de cette manifestation, des centaines de milliers d'étudiants, des pompiers ou des simples citoyens indignés par la violence dont a fait usage la police nationale et la garde civile contre les manifestants. Selon la police locale, Asma, près de 700 000 personnes ont manifesté dans plusieurs villes de Barcelone pour faire part donc de leur mécontentement vis-à-vis de Madrid. Merci Fardous Hussein, merci à vous qui nous suivez, excellente soirée à toutes et à tous.